Recoucou mes loulous, comme je vous avais dit, je fais la deuxième vidéo pour le filet de pêche. Donc, alors, il vous faut en premier lieu un crochet, bien sûr, qui sera de la taille ou un tout petit peu en dessous de votre fil. Alors moi, c'est un fil très fin. Vous allez voir où est le bobo, le bobo, le bobo. Sur ces fils-là, trouver le bout, c'est toujours une galère. J'aurais dû le sortir avant le bout. J'ai bien trouvé. Hein. Je vais enlever ça en attendant. Peut-être que le bout va être à la recherche du bout. Vous faites quoi en vidéo? À la recherche du bout. Tintin, tintin. Ils sont toujours à l'intérieur. Ben là, il n'y est pas. Quelque part quand même. Le voilà. Eh ben. Alors, pour faire ce fameux filet qui est un point au crochet de résille. Eh oui, c'est un point de résille. J'ai des étoiles partout sur la table. Ouais, j'ai des petites étoiles vertes partout sur la table, moi. Donc, il vous faut un multiple de 5. Donc, vous pouvez faire la taille que vous voulez de la chaînette, mais il vous faut un multiple de 5. Alors, on commence par faire notre boucle. Alors, vous faites un rond. Hop. Vous prenez votre crochet qui va à l'intérieur du rond. Récupérez le fil. Et hop, vous avez votre première boucle. Voilà. Donc, un multiple de 5. Alors, moi, je vais faire, allez, on va dire 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, et je vais faire 25, vous voyez bien. 21, 22, 23, 24, 25. Voilà, là on a notre chaînette, donc notre multiple de 5. On va faire une maille supplémentaire en l'air, et là on va mettre un petit que j'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. Hop, j'enlève mes loulous. J'enlève. J'ai oublié. 1, 2, 3. J'ai fait une maille en plus. J'arrive mes loulous, j'ai oublié un ustensile. Me revoilà mes loulous. Alors, à la 25e, enfin, à votre dernière maille, selon le nombre que vous voulez faire, vous mettez un petit marque maille. Donc, bon, là, je n'ai pas cherché mes marques mailles, hein, mais vous prenez un trombone, une aiguille, une goutte. Voilà, ça va très très bien. Et là, on va faire 7 mailles supplémentaires. Donc, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Là, on va venir piquer dans la cinquième maille. Donc, on commence à compter à partir de celle qu'on a marquée. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on rentre dans la maille. Notre crochet vient chercher le fil, on récupère le fil là et on fait une boucle. Voilà, on a fait nos premiers anneaux pour commencer notre filet. On recommence 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on recommence, on pique dans la cinquième paille. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va faire ça tout le long de notre chaînette. Donc 7 mailles, on pique dans la cinquième. Tout le long de la chaînette, on va faire ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous allez voir que en fait, c'est tout le long, c'est toujours la même chose.
Alors, pour faire un filet comme ça, il faut un fil fin, pas un gros fil. Sinon, mettre sur une carte, ça va être difficile. 1, 2, 3, 4, 5. Et il va m'en rester encore un. Hop là, j'ai raté mon fil. Hop, il va m'en rester encore un à faire. Vu que moi, j'ai fait très petit. Non, mais ouh, le fil ne veut pas se faire crocheter. Et là, ben voilà, je vais dans le dernier, enfin, dans la dernière maille, parce que c'est une maille. Hop, je tire bien et je vous montre le résultat. Alors, au début, ça ressemble à rien, hein. Je vous le concède, au début, ça ne ressemble à rien. Mais c'est au fur et à mesure que vous allez monter que vous allez voir la chose va prendre sa place et ça va se former tout seul. Alors, une fois que vous êtes là, au bout, vous refaites, alors vous tournez, hop, votre ouvrage, et là vous faites 7 mailles en l'air. 1, 2, 4, 5, 6, 6, 6, non mais, et 7. Et là, dans les 7 mailles que vous avez ici, vous venez piquer au milieu, donc dans la quatrième. Et voilà, et là, hop, au milieu. Donc, comme il y en a 7, 3 d'un côté, 3 de l'autre, vous piquez dans la quatrième. Et vous venez faire une maille serrée pour joindre les deux côtés. Et on recommence, on refait la même chose. 7 mailles en l'air. 1, 6. On refait la même chose, on pique au milieu. Et la quatrième maille. On rentre notre crochet dedans et on fait une maille serrée. Et hop là. Et on recommence ainsi de suite jusqu'au bout. Je vous dis, hein, ça va être ça tout le long en fait. Ça va être vraiment ça tout le long. 1, 2, 3, 4. C'est hyper facile à faire, c'est hyper rapide et c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de point difficile ou non, non, c'est toujours. On fait 5 à 7 mailles en l'air, on pique dans celle du milieu. Moi, je vous parle de 5, 6, 7. Une fois qu'on arrive au bout du rang, on tourne notre ouvrage et là, on refait 7 mailles en l'air et ainsi de suite jusqu'à la hauteur. Hop là. 3, 4, voilà. Je vais vous remontrer un rang pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Là, j'arrive au bout. Donc, 1, 2, et 7. Et là. 1, 2, 3, 4. Je pique. Et hop, donc je vous montre. Voilà le début de notre filet. Et on recommence. Je vous dis, c'est que ça tout le temps, hein. On tourne notre ouvrage, on refait 7 mailles en l'air. 1, 4, 6 et 7. On pique dans celle du milieu. Hop. Et on fait une maille serrée pour attacher le tout. On recommence. Et pareil, hein. On repique. Hop. Et on fait une maille serrée pour. Hop, est-ce que je suis dans le champ? On refait 7 mailles en l'air. On vient piquer au milieu notre ouvrage. 2, 4. Hop. Et c'est ainsi jusqu'à ce que vous obteniez la longueur
Désiré, on recommence. 7 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7. On vient piquer. 4. 4. On fait une maille serrée pour joindre et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais vous rapprocher un peu. Hop, attendez, j'arrive. 5. Je vais vous rapprocher un petit peu que vous voyez mieux. Donc, 5, 6, 7. On pique au milieu, donc on compte bien ses mailles. 1, 2, 3 et la quatrième. On rentre le crochet dedans. On vient récupérer le fil, ce qui nous fait 2 mailles sur notre crochet. Hop, on ramène le fil à l'intérieur des 2 mailles et notre maille serrée est faite. On retourne notre ouvrage et là, on recommence. 7 mailles en l'air. Donc les mailles en l'air, c'est vous avez votre maille sur le crochet, hop, le crochet attrape le fil, passe dans la maille et hop, une maille en l'air. Le crochet attrape le fil, passe dans la maille et hop, vous avez votre deuxième maille en l'air. 3, 4, 5, 6, 7. On vient piquer dans la quatrième. 1, 2, 3, 4. Donc au milieu de nos 7 mailles. Hop, et on fait une maille serrée pour rejoindre le tout. Et c'est ainsi de suite, à l'infini, jusqu'à ce que vous ayez la longueur, je vous dis que vous voulez, 4, 5, 6, 7. Je vais finir le rang pour vous montrer le résultat. Hop là, bien la cocotte. C'est le point résille. Rentre dans la maille, je vais chercher mon fil, j'ai mis 2 mailles sur le crochet, mon crochet récupère le fil et passe dans les 2 mailles et c'est une maille serrée. 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et je recommence. Alors, il y a des fois, on ne les voit pas hein, parce qu'il y a des mailles qui sont toutes petites. Vous voyez, comme celle qui est ici, elle est toute petite. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Elle est toute petite, mais il faut la compter. Et j'arrive au bout de mon rang. Donc, je refais 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, je pique dans celle du milieu. Donc, 1, 2, 3 et la quatrième. Et je fais ma maille serrée. Et là, je vous montre que vous allez voir, voyez, ça se forme tout seul. Hop là, je prends le bout. Ça se forme tout seul, voyez, voilà. Et vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez la longueur que vous voulez. Donc, c'est toujours répétitif. 7 mailles en l'air. Ah, on commence par une chaînette multiple de 5. Ensuite, bon là, vous voyez, moi j'ai fait 25. Pour une carte, c'est la longueur qui est tout à fait raisonnable. Donc, multiple de 5. Ensuite, 7 mailles en l'air. On passe nos 7 mailles en l'air, on les rejoint dans la cinquième maille. On fait ça tout le long de la chaînette. On tourne l'ouvrage, on fait 7 mailles en l'air. On les rejoint dans celle du milieu, donc la quatrième, tout le long de la chaînette. On tourne l'ouvrage et on recommence. 7 mailles en l'air, on fait une maille serrée dans celle du milieu, la quatrième. 7 mailles en l'air, on rejoint. 7 mailles en l'air, on rejoint. Et c'est ça tout le long de l'ouvrage. Et ça vous donne une sorte de filet de pêche. Voilà, point résille. Moi, je suis en train de faire une écharpe comme ça. C'est super sympa pour l'été. Une étole, on appelle ça. Pour les perles, une fois que vous avez fini votre ouvrage, je vous montre comment on l'arrête quand même.
Hop, vous prenez, vous êtes arrivé au bout de votre ouvrage. Vous faites une maille en l'air. Hop, vous coupez le fil. Oh, bougez pas. Je prends une paire de ciseaux que j'ai oublié de prendre. Vous coupez votre fil. Vous avez toujours le crochet dessus. Hein. Vous tirez, ça vous fait un nœud. Et voilà, votre ouvrage est terminé, est arrêté. Pour les perles, bon là, je ne vais pas mettre de perles. Vous prenez un fil, une aiguille, vous passez, alors vous faites un nœud bien sûr, hein. Vous passez votre première perle à chaque extrémité, donc moi je les ai passées à chaque extrémité. Une au bout, une là, une là, une là, une là. Vous n'êtes pas obligé. Moi j'ai fait ça, vous n'êtes même pas obligé de mettre des perles. Et j'en ai mis sur les deux côtés. Donc chaque perle, à chaque fois que j'arrivais à cet endroit-là, clac, je cousais une perle. Ainsi de suite sur où vous voulez mettre des perles, si vous voulez mettre des perles. Moi c'est comme ça que j'ai fait. Votre fil là qui est dépassé, vous prenez une aiguille et vous refaites un petit nœud au bout. Léger hein, le nœud. Et vous coupez votre fil. Voilà. Et c'est fini. C'est arrêté. Ça ne se voit plus. Là, vous refaites la même chose aussi. Un petit nœud. Clac. Vous coupez à ras. Et votre ouvrage, il est prêt. Voilà, mes loulous. Comment faire un filet de pêche au crochet. Donc, si vous voulez, si vous n'avez pas compris mes explications et que vous préférez aller voir sur d'autres chaînes, hein, c'est le point résille. Et franchement, c'est que de la répétition. Hein. Une chaînette multiple de 5, vous faites 7 mailles en l'air, vous passez le premier rang, vous passez dans la cinquième maille. 7 mailles en l'air, cinquième maille, 7 mailles en l'air, cinquième maille, 7 mailles en l'air, cinquième maille. Vous tournez votre ouvrage, 7 mailles en l'air, et là, vous passez dans le petit arceau que ça vous fait, dans celle du milieu, donc la quatrième. 7 mailles en l'air, vous repassez dans celle du milieu de votre petit arceau. Et ça vous fait tous vos arceaux à chaque fois. Et plus vous montez, en fait, et plus vous voyez que l'ouvrage se forme, quoi. Et vous voyez que là, bah là on voit bien, quoi. J'ai fait 1, 2, 3, 4 rangs, et puis bah, on voit déjà. Les deux premiers rangs, on ne voit pas grand-chose, hein, mais les derniers rangs, oui. Donc voilà mes loulous, le fameux filet de pêche au crochet, les petites explications. Sur ce mes petits loulous, si vous avez aimé cette vidéo, faites-moi un petit pouce en l'air. Sincèrement, ça m'encourage. Ça me montre que voilà, quand vous avez aimé ma vidéo, mes explications et le tout. Ah, n'oubliez pas de mettre un arrêt sur la dernière maille avant de faire vos 7 mailles en l'air pour bien vous y retrouver parce que sinon vous n'allez pas vous y retrouver. Ça serait dommage quand même. Ça serait dommage. Donc voilà mes loulous. Moi je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.